mon ami, que je te dois en partie ma vie. Tu as mis la tienne en danger, mais juste pour ma liberté. Un bon désobéissant tu étais, à jamais je t'en remercierai. Tu as su seul réfléchir, ne pas te laisser affaiblir, ne jamais baisser les bras, toi le guerrier lambda. Simon de Serouin en faisait partie, disant non à l'occupation ennemie. Et un 25 octobre arriva, elle sera résistante 18 ans plus tard, suivant de près les traces de son père, résistant de la Grande Guerre. Sous le pseudo de Nicole Minet, elle accepte une première mission risquée, devenant ainsi agent de liaison aux très nombreuses missions. Le groupe des francs-tireurs et partisans lui propose les armes rapidement, participant à des combats de rue pour une femme du presque jamais vue, lui donnant une place respectée au sein de cette résistance aimée. Elle participe et libère Chartres, puis avec un compagnon par libérer Paris. L'histoire de Simone m'a bouleversé, ainsi que ses soldats de la liberté. Je ne suis pas prêt de les oublier, et je leur rends hommage avec respect. Madame, je vous dis merci et bravo, ainsi qu'à tous ces jeunes héros. Cette jeunesse désobéissante, disant non et devenant résistante. Je n'oublierai pas demoiselles et amis, que je vous dois en partie ma vie. Et qu'aurais-je fait en ces temps blafards? J'espère bien ne jamais le savoir. Je n'oublierai pas demoiselles et amis, que je vous dois en partie ma vie. Et qu'aurais-je fait en ces temps blafards? J'espère bien ne jamais le savoir. Oui, j'espère bien ne jamais le savoir. Oui, j'espère bien ne jamais le savoir.